Au mois de décembre dernier, on a participé au projet Farmtopia dans Minecraft en partenariat avec Nestlé, dans le but de replanter des haies et des arbres en France. Comme on a atteint le palier le plus haut grâce à nos communautés, nous avons été invités à participer à la plantation des premiers arbres dans le Nord, près d'Abbeville. Allez, c'est parti, on part aux aurores les amis, pour aller planter des arbres. En avant! Deux petites heures de route pour aller jusqu'à la ferme du côté d'Abbeville. Alors on roule prudemment et c'est parti mon kiki. Petit accueil bien sympathique en arrivant à la ferme. On sympathise un petit peu avec les gens qu'on connaît pas, donc il y a des gens de chez Nestlé, il y a des abonnés donc on fait parmi le plus de points sur Farmtopia, donc il y a Lucide aussi qui est là, enfin bref, un accueil bien sympathique. Petite formation sur l'agroforesterie, retour à l'école, ça va être très sympathique avec pas mal de monde. Ouais, voilà, il y a écran et tout, et là on est dans la ferme, c'est fou. T'as mangé déjà ? Je suis en train. Mais tu vas être froid parce que tu fais un paparazzi, c'est ça ? Non mais parce que ouais, je suis gros paparazzi. Regardez-moi cette tablée incroyable, on mange sur le pouce à côté des vaches. C'est super! Voilà, alors bon appétit les amis! On est parti à pied les amis! Pour aller planter des arbres! Ah, c'est bien, on est nombreux, c'est trop bien! Ah c'est vrai, c'est bien! Alors ouais, c'est bien! En avant Guingamp, bon, on n'avait pas su que ça partirait par une marche, mais c'est ça! Hein. Là c'est perception des pelles! Voilà, on a les petits arbres qui sont là. On va commencer à planter, les amis. Et c'est bien parce qu'on est quand même nombreux. Ouais. Et les anciens, en fait, utilisaient les branches d'érable champêtre pour mettre dans les poulaillers, parce que comme ça, les poules avaient les pattes qui étaient, entre guillemets, isolées grâce à ce liège sur le bois. L'idéal, quand vous allez faire vos trous, c'est de faire la largeur du fer de loucher sur la profondeur du fer de loucher. Et ben c'est parti pour la plantation des arbres. Et avec le sourire en plus, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Alors donc on va en planter tous les mètres, comme ça. Il y a un mètre entre chaque plantation. Et donc on est parti, on fait les trous. Et c'est très précis. Hein. Tout ça, ça va être en fait des petits arbres pour faire des haies. Parce qu'on va planter et des haies et des arbres. Voilà, donc là ils sont en train de faire du paillage, et donc le paillage, eh ben c'est fait pour éviter de désherber. Bon, c'est magnifique, comme ça du coup c'est naturel. Et c'est propre. Et c'est propre, et voilà, il n'y a pas besoin de désherber, je sais pas quoi. Des annas de lin. Ah d'accord. De la culture du lin. Ah super. C'est un déchet de la culture du lin. Ok d'accord. Du lin fibre. Ok d'accord, voilà. Merci beaucoup, super. Et on rajoute ça tout le long après avoir tout planté. Et voilà, on était super motivés. On en a planté vraiment, vraiment beaucoup, là, tout jusqu'à là. Oh purée! Et là, on plante les deux derniers arbres, c'est incroyable. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Moi, je pense que vraiment, tout ça, ça s'applaudit, c'est super. Donc, maintenant, on a bien planté des arbres, tout le monde est content, c'est le repos du guerrier. Donc, bon, on a du rouge, mais c'est du jus de raisin non fermenté, donc tout va bien. On a le chant du coq, on est avec les vaches derrière, c'est incroyable. Et on va bientôt se dire au revoir et rentrer chacun chez soi. Mais l'aventure continue et je pense qu'on replantera encore beaucoup d'autres choses plus tard.